Et salut tout le monde, c'est Link. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Let's Play sur le jeu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. J'espère que vous allez bien pour ma part. Ça va. Dans le dernier épisode, nous avions retrouvé Babil qui du coup s'est joint à nous. Il se bat à nos côtés, déjà il nous suit, ensuite il se bat à nos côtés et il peut nous permettre de faire une bourrasque qui va partir tout droit pour nous permettre d'aller plus loin. Voilà qui est fortement intéressant. Donc je pense que dans l'idée, faudrait peut-être empiler ces caisses, enfin ces blocs. Et du coup, nous nous dirigeons vers la tempête qui se trouve juste au-dessus de nous. Vous voyez, je sais pas si on la voit bien là, je sais même pas. Mais je crois que c'est juste au-dessus de nous en fait. Ouais, on est dedans en fait, c'est juste au-dessus de nous, ça se voit pas très bien. Et du coup, j'ai supposé qu'on était dans un espèce de donjon, que du moins on est en train de s'y diriger. Ah, ça a l'air de ressembler à ça en tout cas. Hop. Ouais, je pense que j'ai bien fait d'empiler les caisses. Des blocs de pierre plutôt. Faut que j'arrête de dire caisses, c'est pas des caisses. Bon, j'ai hâte de voir du coup à quoi ça ressemble un donjon dans ce jeu. Parce que logiquement, j'ai cru comprendre qu'ils avaient chercher à faire des donjons. Enfin, du moins, je crois. J'espère. Je me fais pas de fausse joie. Je sais pas si je m'y prends bien là. Essayons. Voilà. Ok. Là-bas. Ça doit pas du tout être bizarre quand il y a quelqu'un à côté de nous qui nous voit faire ça. Genre là, Bubby, il se dit mais qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'il est? Heureusement qu'il peut voler quand même. Hein. Île de la Voix des Cieux. Bon, déjà, il y a un sanctuaire. Je pense que ça doit être l'accès avant le donjon, peut-être. Je sais pas. Ah mais regardez, il y a plein de bateaux dans le ciel. Incroyable. Regardez, il y en a un là. Link! Quand j'ai vu la princesse Zelda, elle était par ici. Mais j'ai pas l'impression qu'elle soit là. Hmm? Qu'est-ce que ça peut bien être? Est-ce qu'il y a des choses ici, non? C'est dommage, il fait pas très beau du coup dans ce donjon. Pas ce donjon. Cet endroit là. À cause de la tempête. C'est quoi ce truc? Regarde! C'est un bateau! Ah, encore ça? Hein? Viens. Viens. Mais à qui était cette voix? Elle venait du ciel? La fuck? Voilà, il y a un gros bateau. Oh, regarde dans ce nuage. C'est encore un bateau? Il est énorme. Il y a aussi plein de petits bateaux qui volent dans les airs. Tu sais à quoi ça me fait penser? À l'arche céleste. De curieux bateaux volants. Dans les airs, montèrent doucement. Le dieu put enfin rentrer chez lui. Et pour remercier ses généreux amis, leur offrit une arche en récompense qui ramena vent, paix et innocence. Le chant de l'arche céleste. Et oui, c'est exactement comme dans la cantine. Contine, pas cantine. Toi aussi, tu as entendu cette voix bizarre? Elle disait, viens, rejoins-moi, j'en suis sûr. Elle a l'air de vouloir nous faire venir jusqu'à elle. Je crois pas qu'il y ait de quoi que ce soit par ici qui puisse nous indiquer où se trouve la princesse Zelda. Elle est partie en direction du bateau. Il n'y a qu'une chose à faire, Link. Montons!
Ok. Y a quelque chose sur ce bateau du coup? Non. Hein. Et qui c'est qui nous parle? Ça ressemblait un peu à la voix de Rauru, mais je pense pas que ce soit lui. Waouh! Ok. D'accord. Je pense qu'en fait, on va. Là, on va arriver dans un donjon. Et du coup, il y a le sanctuaire ici pour qu'on puisse s'y retéléporter. Flèche en bois. Sanctuaire Mayo Mexa. Bon, je suis plus ketchup que Mayo, mais. Ouais, c'est mon avis à moi. Hein. Faites comme vous voulez. Alors. Saut en longueur. Ouhou, c'était compliqué comme énigme pour commencer. Ça va pas plutôt être du son en hauteur que du son en longueur? Allez, on y retourne. Bah, attention au coffre, encore une fois. Il est tout là-haut, je pense. Vous voyez, il y a une plateforme. Je pense qu'il doit être là-haut. Alors. J'ai des doutes de si ça va bien se passer là. Si c'est bon. Parfait. Au moins le coffre, c'est fait. 10 flèches. Eh bien, on est vraiment pas en rate de flèches. Faut ouvrir la grille là, non? Et par contre, moi je veux revenir sur le nom du donjon, je pense que c'est une traduction broken. Hein. C'est soit en hauteur, pas soit en longueur. Hein. Et parfait. Peut-être qu'il faudrait que j'aille à une statue avant. Pour aller augmenter ma vie. Au moins d'un petit cœur, je pense que ça pourrait être utile. Parfait. Écoutez, ouais, on va aller... On va aller à la statue. Link, t'as autre chose à faire? Faut encore qu'on retrouve la princesse Zelda et qu'on sauve le village. Du coup, je t'attends ici. Ok. Juste, ouais, voilà, augmenter notre vie d'un petit cœur.
Hop. J'espère que la musique reviendra joyeuse une fois qu'on aura fini avec tout ça. Parce que là, c'est pas trop la joie. Parfait. On revient te voir, Babil. Ah, Link. Je savais que tu me laisseras pas tomber. Allez, on y retourne. Ouais, let's go. Réparer maintenant. Attendez, je vais mettre la flèche dans la tête là parce que ça me stresse de pas y arriver. Ouf. Alors là, ce qui s'est pris, on lui a mis les deux flèches, c'était beau. Ah, par contre, si t'es pas avec moi, ça va vite être chiant. Non mais j'ai appuyé deux fois. Bon, attendez, ça devrait pouvoir passer, mais. C'est rien. Hop, je glisse ici. Ah, par contre, ça va être chiant ça parce qu'il va tomber en bas. Pas du tout. C'est pas le même truc que la dernière fois. Ça, c'est un classique de Breath of the Wild. Parfait. On va utiliser ça pour remonter. Très bien. Bon, du coup, on refait tout le chemin. Non mais quoi? À l'aide!
Alors là. Je suis trop bas. Le truc, c'est qu'il y a aussi ça en bas là en face. Bon, on va aller voir en face d'abord. Alors là. Pour prendre les pics là, mais. Attendez, je me pose une question. Ça va faire un gigapic si je mets ça sur mon arme? Non, ça en fait un tout petit. Bon, ça en fait quand même un petit peu plus conséquent que ce qu'on a eu la dernière fois. Je trouve ça bizarre, ça. Oh, c'est tout. Peut-être juste pour se faire des armes de glace, hein, qu'ils ont mis ça. Parce que, ouais, j'avoue que je comprends pas l'utilité, là. Aller là-bas aussi. Allons-y. Oh mon dieu. Ouais bah c'est loose. Allez hop. Ah non mais. Ah oui non mais moi je me suis dit que j'allais être téléporté en fait, mais pas du tout. Ah oui alors ça va être chiant. Oh oui alors là ça va être très chiant. Eh oui, moi j'étais un peu innocent, je me suis dit je vais être téléporté comme quand j'étais sur l'île. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je vais devoir me retaper tout le chemin à chaque fois en fait. Oh mon dieu, faut vraiment pas tomber en fait. Ah ouais. Ah j'appréhende là. Honnêtement. Ah, je crois que si je fais ça, je peux l'amener à moi. Il y a moyen. Bon, tant qu'on ne me fait pas revenir les ennemis sur la tronche, ça va. Bon bah du coup on va juste empiler les caisses et monter et voilà. Mais oui le chemin là en bas je comprends pas à quoi il sert. Honnêtement. Ça va être compliqué si c'est pas linéaire un peu. D'une certaine manière en fait. Parce que tu vas pas savoir où aller. Quelle plateforme va permettre d'aller à la suite. Parce que là, vraiment, en bas, je comprends pas. Genre, cette plateforme-là aussi, en bas, à quoi sert? Peut-être que c'est juste du décor. Je suis paumé. Ok, très bien. On n'avait jamais pris ça en photo.
Un rite de voyage fois 3, c'est gentil ça. Mais oui, regardez, il y a encore des trucs de glace là. Mais de toute façon, je vais pas pouvoir monter. Il y a de la glace là. Ok, donc clairement, il y a un truc à faire avec. Ok, là, ça a fait tout fondre. Là, je peux monter. Je suis sûr que tout en bas, tu pouvais faire ça. Hein. Mais ça a pas fait autant de dégâts que là. Sur la glace. Laisse-moi faire. Ok, on continue. La musique est sympa aussi, très discrète. Mais j'aime bien, je trouve que c'est un peu raccord avec l'univers dans lequel on est actuellement. Bon, ça va casser, on va se le jeter. Allez, on fait ça avec l'arc. Là où il y a clairement un truc. Peut-être un Korogu. Ah, quoique, non, attends, j'ai pas besoin de toi, mec. Désolé de te dire ça comme ça. Il doit y avoir un truc là, je pense. Ou alors c'est un autre chemin, encore une fois. C'est juste ça, effectivement, c'est un autre chemin. En fait, il y a plein de chemins possibles. Mais vous voyez, c'est un peu... perturbant. Ah. Parce que, ouais, tu sais pas trop où aller, parce qu'en fait, il y a plusieurs chemins pour aller à un seul et même endroit. Ouh, lance de caporal. Ah, c'est un truc sono en fait. Bien. Bon, du coup, je dégage ça. Hein. Bon, ça, je prends pas. Hein. Je suis pas fan du tout du lance-flamme. Ça peut être fort dans certaines circonstances. Sur mon boomerang, c'est pas mal en vrai. Je trouve ça sympa. Un golemax en bas. Je pense qu'on va aller s'attaquer au Golemax. Je l'ai activé juste avant de tomber. Merci! Ah, il comprend rien à cette douleur là. C'est vraiment un transfo plus merdique quand il fait ça. Il peut rien faire. Vous savez quoi, je pense qu'on va retirer l'amalgame. Ah, ça faisait 15, je crois, tout à l'heure. J'espère. Parce que sinon, je crois que les dégâts ont été réduits plus qu'autre chose. Non, mais je crois que c'était 15. Une carte. Tout au sud à chaque fois.
ailleurs, il n'y a pas le droit. Hop. Ensuite, il y a des cubes un peu partout, mais je pense pas que c'est une quelconque utilité. D'accord. Pourquoi pas. Merci de me faire un screen. Ah, mais il y a un plafond là. Faut le faire péter. Mais regardez, typiquement t'as pas ça. Comment tu fais en... C'est quoi que tu viens de rebondir? Je sais pas. Oh bah dis donc, ça l'a activé direct. Ah c'est Babil en fait qui va dessus depuis tout à l'heure. Ouais je pense que si t'as pas ça... Oui en fait tu pouvais empiler les... Les cubes pour grimper. J'aurais même pas dû utiliser une bombe. C'est un peu du gâchis. Oh, le ratage complet. Mouais. Ah mais sinon tu utilises juste ça en fait. En bas il y a un sanctuaire mais bon. Ah oui. Mais attendez, on va les attaquer depuis au-dessus, ce sera plus facile. Ah mais le vrai chemin est en face en fait. Ah, mais peut-être que plus haut on saute, plus haut on rebondit. Je crois pas, en fait. Non, mais en fait, je pouvais juste y aller depuis le début. C'est juste que j'ai pris le chemin secondaire en premier. Tout ça pour avoir 10 flèches et pour en utiliser 3 pour tuer des mobs. Merci, le jeu. Vraiment super sympa. Oui, la musique. Pourquoi la musique, elle s'excite? Ça me fait peur. Ah, ça récupère automatiquement les compos, j'avais pas vu. Ah, trop bien. C'est bien gentil. Non mais imaginez on tombe là, on va devoir tous retaper. Moi ça me fait peur d'avance en fait là. Ici il y a de quoi faire à manger. Oui ils te mettent de quoi te recharger niveau protection du froid. Mais on est bien. Enfin, j'espère que ça va pas être encore plus froid après parce que sinon... Après j'ai des trucs hein. Ouais, j'ai des trucs si jamais il faut. La musique s'intensifie là. Allons-y. J'ai l'impression que l'ambiance devient un peu plus pesante aussi. Le vent souffle.
Aïe. Bien, Babil. Et moi, je l'ai fini. Allez, hop. On n'en parle plus. Oh, cool, je récupère des boucliers, enfin. Enfin, on a une chance de survie. Ah non, c'est peut-être Babil qui récupère des matériaux, parce que je trouve ça bizarre qu'il y ait autant de délais. Je sais pas. Ok. Vas-y, retourne-toi. Non, tu peux pas? Bon bah attaque surprise de devant. Hop là. Tu t'y attendais pas hein, cette surprise. Tu ne m'as pas vu venir. Bon bah on continue. Ah oui, alors j'aurais pu utiliser la capacité de... La bile. Non mais c'est bon, ça passe. Je comprends pas pourquoi des fois je one shot et des fois non. Bon bah au revoir. Je me demande, je peux taper son arme dans la main? Oh, ça marche pas, je suis extrêmement déçu. L'autre bombe va exploser. Ok. J'ai pas eu peur, c'est faux. Le coup de la bombe qui allait venir vers moi, je l'ai pas vu venir ça. Ah non, mais c'est la lance qui a été raccordée à l'épée. Ah merde. Dommage. J'aurais bien récupéré la lance. Là en bas il y a des pics de glace si on veut faire des trucs. Ça m'intéresse pas. Ouf. Pauvre Babil. Et donc venir ici, il n'y a jamais aucun piaf qui a eu envie en fait. Nous, aucun qui s'est dit « Ah tiens, il y a moyen que la tempête, ça vienne de cette géante tornade dans le ciel, no kidding !» Vraiment des génies aussi ces gens. Il va falloir que je m'amuse à crafter un truc là. Bon, en vrai, ça devrait aller. On l'a déjà fait une fois, avec un Korogu dans l'épisode dernier, mais ça s'est pas super bien passé. Bon, je pensais que je pouvais lui dire de venir, mais... Ça va, tranquille. Après c'est dommage, j'aurais bien aimé qu'un vrai truc nous dise « Salut, t'es arrivé dans un donjon ». Enfin, moi je continue de penser qu'on est dans un donjon là en fait, mais... Mais bon, peut-être moi qui me trompe. Noir, c'est le gros bateau, le vrai donjon. Et là, c'est vraiment juste l'ascension. C'est stylé, hein, si c'est ça. Parce que moi, pour l'instant, j'ai l'impression d'être dans un donjon à...
à faire différents trucs pour progresser. J'aime bien le fait que la musique elle s'intensifie là, au fur et à mesure qu'on avance. Et hop! Là-bas, il y a un coffre. L'autre, il n'y avait rien, mais celle-ci, il y a un petit coffre. Ah, il y a un autre sanctuaire. 5 bombes à retardement. Et hop! Parfait! Je t'ai jamais monté aussi haut dans le ciel. Il y avait un glacial, t'as vu? Moi ça va, j'ai mes plumes, mais fais attention à toi, faut que tu te protèges contre le froid. Ça va. Pour l'instant, j'espère juste que ça va pas descendre jusque tout en bas. La jauge. Pour l'instant, ça a l'air de rester stable. Ouais, là on va arriver sur un truc, hein. Il mettrait pas un autre sanctuaire sinon. On a combien de temps? Très bien. Ah, c'est juste. D'accord. J'ai pensé que ça pouvait être ça. Parce que je me suis dit. Mettre toute une épreuve juste ici, ça aurait été bizarre. Donc oui, c'est juste une petite récompense. Le calme avant la tempête, on va dire. Et plus qu'un. Pour augmenter une de nos stats. Ça stylait un jour un Zelda avec une vraie notion RPG. Avec des vraies statistiques. Bon, après, ça deviendra plus le même jeu. Je pense qu'il y aurait matière à faire quelque chose, quand même. Bon, celui-là est gros. Ça passe jusque là-bas? La musique évolue encore. Je trouve ça stylé là, la musique qui évolue au fur et à mesure qu'on avance, je trouve ça vraiment cool. Très calme au début et elle commence petit à petit à s'inquiéter. Enfin à devenir inquiétante plutôt. Et le vent est de plus en plus fort aussi. Très très stylé hein. Là l'ascension, moi je kiffe. Oh, vous entendez la musique? Il y avait le thème de Vamedo pendant un petit instant. Ouais, alors là par contre je sais pas où est-ce que je vais. Je fais de la merde je crois. Là il n'y a plus aucune plateforme, hein. C'est vraiment juste passer de bateau en bateau. Je trouve ça stylé le fait qu'il y ait le thème de Vamedo. Ah, il y a une plateforme là-bas, il y a peut-être un petit coffre.
Hop. J'y vais, je prends le risque. Ça se trouve, y a rien. C'est juste un petit truc pour le décor. Il y aura un coffre, je le verrai là, non? Non, c'est bon. Il n'y avait pas chargé. Marmite de voyage, c'est vraiment le dernier... Dernier endroit si t'as besoin de te préparer. Génial, merci Babil d'avoir utilisé ton truc maintenant alors que j'en ai besoin. Laisse-moi faire. J'ai un doute de si je vais arriver à ce bateau... Bien comme il faut. Ah, je pense que oui, mais c'est in extremis. Hein. Ok, on y est. Clairement, il va y avoir un boss. Soit il y a un boss, soit là, ça va être le vrai donjon. Ouh, trop stylé. Allez, on y va. Waouh, la mise en scène, elle est trop bien. Et la musique qui se coupe. Il n'y a plus aucune musique. Ah, c'est trop bien fait. La mise en scène est excellente. Oh, what the fuck? Là, c'est le vrai donjon. Temple du vent. Mais non. Littéralement, temple du vent. Oh, c'est exceptionnel. Temple du vent, rez-de-chaussée. Énorme. Incroyable. Ils avaient bien caché, hein, quand même. Ils avaient bien caché le fait qu'il y aurait des vrais donjons. Waouh, c'est donc ce vaisseau qu'on voyait à travers les nuages. C'est bien l'arche céleste de la cantine. Oh. Ah bah, elle est là. Non mais c'est bizarre, c'est chelou. Hein? Ça alors? Pas de doute, Link. On a trouvé la source de la tempête de neige. Mais j'ai vu quelqu'un là, à l'instant. Juste là, non? Mais il n'y a plus personne maintenant. Moi, ma théorie, elle me plaît, hein, que c'est pas un vrai truc. Enfin, que c'est pas la vraie Zelda. Enfin, pour moi, c'est pas une vraie personne en fait. Ça doit être une illusion, un truc comme ça. Donc on a débloqué un TP. Impossible d'ouvrir, mais je suis sûr que ce qui cause la tempête se trouve dessous. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'ouvrir? Ouais, j'ai pas bien compris là. Il y avait un truc avec les engrenages. Ah, c'est encore ce son. Mon cher descendant. Ah, merde. L'écoutille sur le pont devant toi est fermée par 5 verrous. Active tous les mécanismes qui contrôlent ces verrous avec ton pouvoir et l'écoutille s'ouvrira. Suis mes instructions. C'est beaucoup plus clair cette fois. C'est bon de parler. À moi. Je suis sûr que la cause de la tempête qui paralyse notre village est sous cette écoutille.
En croisant cette voie, l'écoutille s'ouvrira si nous activons les 5 mécanismes qui contrôlent les verrous. Moi, cette voie, j'ai envie de lui faire confiance. On y est presque. Trouvons ces mécanismes, Link. Ok. Donc c'est la même idée que pour les créatures divines, semble-t-il. Donc il y a plusieurs étages. Pour revenir sur la carte du monde en appuyant sur X. Ok. Je vous avoue que je sais pas où donner de la tête. Bon, allons par là. De caporal, encore une fois. Bon, on va échanger avec ça. Ça, c'est un peu nul. Alors, j'ai pas l'impression que je puisse faire grand chose depuis ici. Alors, pourquoi je peux pas rendre droit? Il va y avoir un truc au-dessus, peut-être. Ouais, ok. Ouais, y a un canon là. Je vous avoue, je suis un peu paumé, je sais pas trop où aller. Il y a une petite idée à aller sur les trucs sur les côtés, à votre avis? Parce que ça fait partie du... de l'idée du donjon. Non mais vous, vous êtes vraiment les mobs qui servaient le moins à quelque chose. Hein. Littéralement. Ok, 5 petites flèches en bois. Il y a un autre truc là en dessous. Arc de golem renforcé. Je suis con, juste à faire ça. Aïe! Oh non, ma lance va bientôt se casser. Ma superbe lance. Bon bah voilà, elle est cassée. Une opale. Là-bas, il se passe des trucs. Il me faut un levier pour ça. Est-ce que par hasard, je peux pas utiliser ça en guise de levier? J'ai bien l'impression que c'est ça. Ouais, c'est ça.
pense que, ouais, à mon avis, Babil peut faire tourner ce ventilateur. Et regarde, Link. Ce mécanisme en forme de moulin. Pourrait contrôler un des verrous, non? Ah, ça contrôle. Ah oui, ça affiche sur la carte. Viens là. Ok. Un verrou. C'est un des mécanismes qui contrôle les verrous, Link. Il nous en reste 4. Yup. Oh, musique qui change, du coup. La musique s'intensifie un peu. Ah, encore un petit coup du thème de Vamedo. Je crois que je me dirige pas vraiment vers un endroit où il y a quelque chose à faire. Après, je peux utiliser le bateau là pour monter. Ouf. Monter plus haut. Un bouclier de sonium, tiens. Permet de réduire la consommation d'énergie des artefacts sonos qu'on y attache. Ah, bien. Ouais, réellement... Si, c'est des trucs comme ça qui sont intéressants à attacher, mais... Ah, ça peut être super bien de mettre un projecteur dessus quand on sera dans les grottes. Ça pourrait éclairer devant nous. Je pense que ce sera une idée. Et bon, après, c'est surtout pour le lance-flamme, quoi, que c'est intéressant. Je pense. Ouais, je suis pas très fan de ces boucliers parce que du coup, ça nous fait un tout petit rond dans le dos. Je trouve pas ça du tout joli. Du coup, c'est tout ce qu'il y a là? Ok. Calme-toi, calme-toi. C'est vrai que j'ai ça qui fait du feu aussi. Des flèches en bois. Progresse pas trop. On va aller là au-dessus. Non, mais est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Mmh.
Oh, ça c'était nul. Sérieux? Oh oui, bien. Ah, ça s'ouvre. Ah, c'est le fameux moment du dropper. Attention. Ah bah parfait. Ok. Et de deux. Du coup, oui. Il nous reste trois mécanismes. Je suis pas revenu sur la phrase tu es mon descendant, machin. Au début, j'ai pensé Revali, du coup. Mais, enfin, non. Rien à voir, je pense. Non, je pense que ça doit être quelqu'un que Zelda a dû rencontrer quand elle est dans le passé, par exemple. Une grande lame de soldat. Ah, ce n'est pas à deux mains, du coup. C'est un peu pourri, c'est juste puissant de 2 points de dégâts par rapport à ce que j'ai. Honnêtement, j'en veux pas. Je t'ai juste échangé histoire de prendre une photo. On continue. On progresse lentement. Oh, j'ai pas fait gaffe au laser. Ouah, j'ai eu tellement de la chance. J'avais pas du tout fait attention au laser. Il y a peut-être un truc avec ce canon si je rentre dedans. Est-ce que je peux rentrer dedans? Pas du tout, c'est un truc qui clairement va me tirer dessus. Faites voir la carte. Parce que là, clairement, il y en a un. Quoique ça dit pas. Ouais, bon, si, il est là. Je vais passer par là. Ah, mais il y a des entrées sur les côtés. Attendez. Genre, si je saute sur le côté, là, je peux rentrer. Ah oui! Ok. On est au cœur de la bête. Alors, j'ai une théorie pour avoir ce coffre. Théorie confirmée. C'est marrant comme idée. Ok, bien. Le level design est vraiment sympa, je trouve. Des idées intéressantes. On aurait pu se faire charcuter si on se faisait écraser là, non? Merde. Je suis con? Ouais. Bah, c'est inquiété.
D'accord. Un autre chemin. Accessoirement, hop, on rééquipe ça. Il y a un truc à faire avec les rouages, faut les faire tourner là. Je pense qu'on va encore utiliser un stalactite. J'aime bien l'idée des stalactites. Enfin, c'est dans le décor, tu penses pas forcément. T'es intelligent. C'est très bien pensé. Comme notion de level design. Allez, parfait. Il en reste plus beaucoup là, plus que deux. Plus que deux, Link. On y est presque. On va peut-être se soigner un petit coup parce que j'ai pas trop de vie. J'ai pas une préparation qui rend pas beaucoup de vie. Bon. Ça se fait à faire, allez. La musique. Oh, écoutez la musique. La musique s'intensifie encore. Ça fait apparaître des ennemis d'ailleurs sur le pont. Na 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 na. On entendait clairement le thème de Vamedo là. Enfin, c'est le thème de Vamedo et du village en fait. C'est un mix des deux, je crois. Il me semble que le thème de Vamedo c'est un remix du thème du village hein, de toute façon. Ok, donc là logiquement je peux rentrer encore une fois. Okay, de l'autre côté. Rip. Putain, il donne plein de trucs. Hop. En vrai, c'est toujours le même principe que les créatures divines. Après, c'est mieux le fait que ce soit vraiment accepté, que ce soit un donjon. Enfin, c'est écrit temple, quoi. Là, au moins, c'est clair, net et précis. Et on n'a pas un système de... On peut bouger le truc. Puis bon, c'est vachement plus gros, hein, aussi, on va pas se mentir. Temple du vent, deuxième sous-sol. Je peux rien faire là. C'est pas depuis ici qu'il faut venir faire des trucs, semble-t-il. La musique qui s'énerve. Faire fondre comme ça, voilà. Bombe et marmite. On va passer comme ça. C'est vrai qu'on pouvait utiliser Babil aussi, peut-être. Bon, j'ai décidé de faire ça. Avec les voix aussi, là, la musique, elle devient incroyable. J'aime beaucoup le fait que la musique s'intensifie. Ça rajoute un truc.
Quoique le rubis, je vais la récupérer hein, plutôt. Attendez, quoi? D'accord. Non, merde. C'est parti. Non, absolument pas ce que je voulais, mais... N'abandonne pas. What the fuck? Pourquoi ça explosait dire... Ça explosait parce que j'étais à côté du feu. J'étais à côté du feu, du coup ça a touché le feu. J'adore ma vie. C'est du génie. C'est génial ce qui vient de se passer. C'est dommage, je me suis dit je vais prendre un baril explosif comme ça. Je l'utiliserai, je sais pas, sur le boss, mais non. On va casser avec ça. Oh, le max de flèches là. Mais ça y est, non mais jamais on tombera en dessous de 200 flèches. Hein. C'est sûr et certain. On a quoi là? Alors là... Ah si, attendez, si. J'ai compris. Allons-y. Alors, en vrai, j'aurais pas compris si j'avais pas amalgamé tout à l'heure sur mon épée. Ça m'était impression un 10. On va utiliser ça plutôt. Ah bah parfait. Allez, il nous en reste plus qu'un seul. Qu'on va avoir un combat de boss incroyable après. Déjà le donjon est incroyable. Moi je suis en plein kiff. J'adore. Ça c'était sûr. L'âme de lieutenant. Alors par contre, il est où le dernier? C'est celui qui est tout en bas. Faut rentrer par les côtés, donc encore plus bas, il doit y avoir en fait... La musique est incroyable. Et c'est ça, ça mélange la musique du village et de Vamedo. C'est épique de fou. Hop. Ah là, on l'entend bien. Ah oui, là, il y avait vraiment très clairement le thème qui était explicite. Ah...
Je sais pas, je trouve que c'est bien en fait ce type d'épée. C'est pour ça que j'aimerais bien le prendre. Tu vois, j'ai déjà utilisé un peu. Hop. Voilà, ça c'est pas mal comme épée. C'est un peu stupide, mais en vrai, je trouve que ça marche bien. Allez! Ah, attendez, on va casser ça avant. Allez, mobile, il est temps d'en finir. Le dernier. Ça y est, Link. On a débloqué tous les verrous. Maintenant, on devrait pouvoir ouvrir l'écoutille sur le pont. Allons-y. Incroyable. Ah, la musique, elle est incroyable. Putain, ce jeu! Oh, ça y est, je commence à me faire tirer dessus là un peu. Mais trop nul ce que je viens de faire. Ou alors le boss, ça va donner quoi là? Ça va être ouf, je le sens, mais je le sens que ça va être ouf. Un bon boss à l'ancienne là. Pas juste une ombre de machin, enfin de Ganon là. Oh, ça va être cool. Ça y est. Gaïla. Oh mon dieu, c'est trop bien! Je te parie que c'est à cause de lui si le village est pris dans la tempête! Faut à tout prix qu'on l'arrête! C'est énorme! Oh, ça souffle! Fais attention de ne pas te faire emporter, Link! Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Je pense qu'il faut le taper depuis en dessous. Ouais, clairement. C'est ça. Eh ben, où est-ce qu'il va? Ouais, c'est quoi ça? C'est un portail ou je sais pas quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Oh là, oh là, oh là, oh là, c'est quoi ça? Ok. Pour l'instant, il n'y a rien de vraiment dangereux. Mince, j'ai pas eu. Elle fait continuer de tirer en fait tout à l'heure. Des portes. Il est où? Oh mon dieu! Ah là, on est bien. On
lui a fait mal. Bravo Link, ça a marché. Joli. Allez, allez. Ah, t'aimes pas là, hein? La musique elle est trop bien. Là, on le tient. Merde. Nanana. Oh, trop bien la musique. Mais c'est la meilleure musique de tous les jeux Zelda, l'île du dragon, c'est pas possible. Ils l'ont même remixé pour le combat de boss, quoi. Bon alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Si on se fait prendre là-dedans, on est fichu. Sois prudent. Oh là, oh là, oh là, oh là, là. Oh. Bah ouais, mais c'est pas facile là. Non, non, non. Allez. Génial. Ah oui, ça a touché. Incroyable. Elle a plus qu'un. Oui, c'est fini. C'est pas fini, je l'ai pas eu. Oh merde, je fais quoi? Oh là là. Et c'est fini mon gars. C'est terminé. Ça a pas touché, c'est sérieux? Putain, je faisais un truc trop stylé là. J'avais sorti ma cash prize et tout. Maintenant. C'est fini. Eh ben, bon, c'était pas très compliqué par contre. Je me suis pris aucune attaque. C'est vrai que oui, on a pris aucun dégât, aucune attaque. Même quand je l'ai touché un moment, ça m'a juste repoussé. J'ai pas pris de dégâts. C'est vrai que c'était un petit peu facile par contre. Mais c'était plutôt stylé. Un combat aérien. J'ai hâte de voir les futurs boss. Qui sont peut-être un petit peu plus compréhensibles parce que c'est vrai que là c'était. Ça allait, mais c'était un petit peu bordélique quand même. Mais c'est sûr, en vrai, ça allait quand même. Ok. Oula, là, par contre, le jeu. Non, c'est bon. Ça revient. Et à cette attaque de cœur! Alors, le même truc qu'on avait vu. Dans le temple du temps. Est-ce que on va encore voir Zelda? Et est-ce qu'elle va encore toucher notre bras? Ah non. Babil, mon descendant, toi qui as hérité de mon sang. Si, ça doit être Evadi alors. Encore cette voix? Pas du tout. Alors, c'est toi qui nous parlais depuis tout ce temps?
Oui. Je suis ton très lointain ancêtre. Un guerrier piaf, autrefois au service du premier roi d'Hyrule, mais aussi le sage qui commande au vent. Je t'ai observé lorsque tu combattais. Ta maîtrise du vent est admirable. Je n'en attendais pas moins de mon descendant. Tu es la fierté du peuple piaf. Le monstre dont vous avez triomphé était l'envoyé du roi démon. C'est lui qui causait la tempête qui paralysait le village. Il avait pour instruction de t'empêcher d'obtenir la gemme que tu viens de toucher, la pierre occulte. La pierre ? Et le roi démon ? Pardonne-moi, ta confusion est naturelle. Tu dois entendre mon récit pour comprendre. Je vais te raconter ce qui s'est produit lors de la guerre du Sceau et la mission qui incombe à notre peuple. Ça va être trop bien, tout je sens. Tout cela s'est produit il y a bien longtemps. Le royaume d'Hyrule n'était encore qu'au balbutiement de son histoire. Le mal s'est abattu sur le monde sous la forme du roi démon, un être dont la seule ambition consistait à mettre Hyrule à feu et à sang. Mais Raoru, le premier roi d'Hyrule, s'est dressé contre lui. J'étais à ses côtés ce jour-là, entouré de 5 valeureux guerriers. Le roi nous avait donné à tous de quoi nous aider dans notre combat contre le roi démon. Une pierre occulte, gemme extraordinaire qui amplifie le pouvoir de son porteur. J'étais le sage du vent. Porté par la magie de ma pierre occulte, j'ai jeté toutes mes forces dans la bataille. Mais l'ennemi était formidable. Toute l'agilité de mes ailes n'a pas suffi à ouvrir de brèches par où l'attaquer. Sa magie était intarissable. Au terme d'une lutte acharnée, le roi Raoru comprit que nous ne parviendrions pas à battre notre ennemi. Il fit donc le choix de le sceller pour protéger Hyrule de sa furie. Cela lui coûta la vie. C'était donc ça, la guerre du Sceau. Par son sacrifice, il nous avait permis à tous de survivre. Et c'est ainsi qu'un jour, je reçus une visite qui allait décider du destin des Piaf. C'était l'une d'entre nous, le sage du temps. Le roi démon se libérera. Le sceau qui le retient n'est pas éternel. Quand ce jour viendra, Link aura besoin d'aide pour parvenir à le détruire. Toi qui maîtrises le vent, confie-lui ton pouvoir. Porte-lui assistance autant que possible. Je sus alors très clairement ce qu'il convenait de faire. Nous tenons par-dessus tout à détruire le roi démon. Au nom du peuple Piaf, j'en fais le serment. Que le roi démon se libère et le sage du vent s'éveillera. Il se rangera aux côtés de ton chevalier. En train de mieux comprendre ce qui s'est passé en fait. Vous connaissez désormais les événements de la guerre du Sceau et la tâche qui incombe à notre peuple. Le village des Piaf vous doit son salut. Mais très bientôt, le roi démon reviendra à la vie. Babil, mon descendant, je te le demande, accepte la pierre occulte et honore le serment que j'ai fait au sage du temps. Mets ton arc au service du chevalier Link et bats-toi à ses côtés. Alors si j'ai bien compris ma mission, je dois me battre à tes côtés. Oh. Waouh ! Mais c'est une super nouvelle, ça ! Non seulement mon ancêtre m'a confié une mission hyper importante, mais en plus, il n'y a aucune autre tâche qui aurait pu me faire plus plaisir ! Faut bien que quelqu'un fasse quelque chose, sinon ça va vraiment mal finir toute cette histoire. Eh ben, pas tant que je serai là. C'est décidé, je suis prêt. J'accepte la pierre occulte.
Je suis le sage du vent. Regarde, tu vas voir ce dont je suis capable. Ta main, donne-la-moi. Voici ma promesse. Babi, le sage du vent, jure solennellement de se battre à tes côtés. Voilà pour toi. C'est la preuve de mon serment. Mettre le cinquième pouvoir. Je pense qu'on va pouvoir invoquer en fait. Putain, c'est ça. Oh, c'est du génie, mais c'est du génie. Tant que tu portes cette bague, tu pourras toujours compter sur mon pouvoir, et ce, où que tu sois. Vite au village, raconter tout ça à mes parents. Incroyablissime, mais bordel. Tout ce qui vient de se passer, c'est incroyable. Faut qu'on parle de la cinématique, hein, mais après, une fois qu'on aura du gameplay, qu'on sera tranquille. Truc de ouf. Oh my god, my god, my god. Le chargement de l'infini, par contre. Oui, par contre, oui, c'est vraiment le chargement, voilà. Ok, merci. J'ai presque cru que c'était buggé pendant un moment. Ah. Pauvre Déba qui n'a toujours aucun doubleur. Ça se voit tellement qu'ils lui en ont pas donné, c'est d'une tristesse. Ok. Ah, oh, on va avoir droit à la vraie musique cette fois, yes. Bravo à tous les deux, vous avez réussi. Oui, on a bien coopéré, ça aurait pas été possible autrement. C'est un exploit, c'est certain. Quant à moi, je trouve extraordinaire que l'arche céleste de notre comptine pour enfants existe pour de vrai. Oui, hein? Pareil, j'arrivais pas à en croire mes yeux. Ah, il va lui donner l'arc. Je te félicite, Babil. Hein? Tu me donnes ton arc, papa? Mais tu y tiens tellement, tu voulais même pas que j'y touche. J'ai toujours su qu'il te reviendrait, le jour où tu ferais tes preuves en tant que guerrier. Waouh. Merci. Je vais en montrer digne. Tu verras. Mais dis donc, Link, tu trouves pas qu'elle ressemblait drôlement à la princesse Zelda, la dame de la vision? Je me demande si c'était elle pour de vrai. Mais bon, c'est pas trop possible, ça s'est passé il y a trop longtemps. Ah, il faudrait qu'on en apprenne un peu plus pour tout comprendre. Moi, je vais me lancer aux trousses de la Zelda qu'on a vue sur l'Arche Céleste. Je suis sûr que j'aurai plein de trucs à te raconter à ta prochaine visite. Alors, oublie pas de revenir, d'accord? Oui. Puis de toute façon, grâce à mon pouvoir de sage, je serai toujours à tes côtés. Serment de Babil, sage du vent. Témoignage
du serment prêté par Babil, le sage du vent, vous permet d'invoquer ou de faire disparaître un avatar de Babil. Babil du village Piaf. Ce jeu... Serment de sage peuvent être activés à l'écran objets spéciaux de la sacoche. Ah non, du coup, c'est pas du tout le dernier pouvoir. Vous ne pouvez invoquer personne ici. Révoquer. Comment ça, révoquer? Attendez, je comprends rien. Bon, on testera ça peut-être un endroit plus... plus libre. Bon, faut qu'on parle de ce qui s'est passé là. Donc, Zelda est... Bon, voilà, au cas où ce serait toujours pas clair, net et précis, même si on l'avait compris depuis belle lurette. Zelda a donc été téléportée, enfin, voyager dans le temps, dans le passé, il y a des centaines, voire même milliers d'années, en fait, puisque elle est arrivée à l'âge des Sonao. Et donc, en fait, elle est devenue le sage du temps, à ce moment-là. Et elle en est venue, en fait, à vivre avec eux, quoi. Avec d'autres sages, du coup. Donc, on est dans le même délire que Zelda Ocarina of Time. C'est-à-dire qu'il y a des sages qui sont là pour... Arc de l'aigle, d'ailleurs, je suis en train de penser. Des sages qui sont là pour pouvoir sceller Ganondorf, apparemment. Oui, parce que, bon, voilà, hein, Ganondorf, c'est bon, on dit le nom. Il n'y a plus rien à cacher, là. Donc, c'est incroyable, en fait. Le scénario est trop bien. Délire de Zelda, ouais, qui du coup confie une mission à tout le monde. Enfin, ouais, elle va sûrement confier une mission à chacun des sages. C'est génial, incroyable, j'adore, je kiffe. Du coup, toujours pas d'infos sur la Zelda qu'on rencontre dans notre époque. Pour moi, c'est pas une vraie Zelda, à mon avis, mais on verra. Et Impa qui est là, qu'est-ce qu'elle fait là? Ah, Link, les chemins se croisent de nouveau. Nous sommes venus pour mener des recherches sur un géoglyphe. La tempête de neige a contrarié nos plans et nous sommes retrouvés coincés. Maintenant qu'elle s'est calmée, nous avons enfin pu rejoindre le village. Nous allons reprendre nos travaux. D'après les anciens écrits, le temple oublié se trouve au fond d'une gorge, ici, en Hébra. Nous juste devrions y trouver la clé qui nous permettra de résoudre l'énigme des géoglyphes. Et ce temple est une chose, mais il peut très bien y avoir des géoglyphes aux quatre coins d'Hyrule. N'oublions pas. C'est vrai qu'il y a toujours ce délire du temple qu'il faut que j'aille voir. Il y a trop de trucs. Regardez ce menu de quête là. Bon, ça, c'est clairement la quête finale. Enfin, c'est la globalité du jeu. Étrange phénomène de château, bah, c'est aussi la globalité du jeu. Réellement, je comprends pas à quoi sert cette jeu. Enfin, cette quête. Là, faut qu'on aille en Hébra, enfin, au fond de la gorge des bras pour aller au temple. Et en quête régionale, bon, ça, c'est la globalité du jeu aussi. Ou. Ok, d'accord. Je pense que vu qu'on est à côté, on ira dans la gorge des bras dans le prochain épisode. Oh, la musique, trop bien! Donc là, il est utilisé. Vous ne pouvez pas. Mais je comprends toujours pas comment ça marche. J'ai besoin d'être à un endroit clean là parce que. J'ai l'impression qu'il galère ici. Bon, là, ça devrait être tranquille. Révoquer, ça fait rien. Invoquer. Moi, je comprends pas. Comment j'invoque, bordel? Moi, je pensais déjà que ça allait être le cinquième pouvoir. En fait, qu'on allait pouvoir invoquer chacun des sages, du coup, qu'on va sûrement rencontrer plus tard dans le jeu. Mais je vais essayer d'aller à un endroit tranquille, alors. Hein, mais bon, le pont est toujours pas réparé, si. Hip.
Ah, peut-être une quête annexe ici pour faire réparer le pont. Ouais, il faut réparer ce pont. Alors attendez. Là, c'est ouvert. C'est bon, c'est tranquille ici. Je peux essayer d'utiliser le truc un jour. Révoquer. Invoquer. Moi, je comprends pas. Je give up. Je suis supposé avoir obtenu un truc et je peux pas l'utiliser, je comprends rien. Je sais pas. Je suis paumé. On va prendre la quête secondaire, hein, ce sera là. Présent que la tempête s'est arrêtée, j'aimerais autant réparer le pont pour le village, ce serait important. Ça dit, il est bien trop grand pour qu'on fasse ça tout seul. C'est pareil que certains signes sont particulièrement doués en matière de construction. Ça te dit quelque chose? Ah oui! En fait, tu cherches un charpentier. Si on demandait au charpentier qui a construit le fort de Guay. Après tout, il faut avoir son pesant de talent pour construire un édifice aussi extraordinaire. Son nom ne revient plus, mais je crois bien qu'il finissait par y. Ouais, c'est Groseillier sûrement. C'est une excellente idée. Si nous pouvions faire venir, ce serait vraiment formidable. Malheureusement, je te reste au village pour le défendre. L'idéal serait d'envoyer quelqu'un au fort de Guay, mais tout le monde est encore très affairé. Ah, je ne vois vraiment pas comment procéder. Voilà qui est fâcheux. Bon, bah, on va y aller, quoi. Mais oui, ça me gonfle, là, le truc d'invoquer. Comment je fais? Mais, franchement, faut faire quoi pour invoquer? C'est quoi l'idée? C'est bugué, c'est pas possible. Bon, moi, je comprends pas. Au pire, on l'utilisera jamais. Voilà, c'est un peu triste, mais... Franchement, je sais pas. C'est bizarre. Bref, on va c'est ça du coup pour cet épisode incroyablissime avec tout le donjon. Est-ce qu'on peut le voir dans le ciel encore? Attendez, c'est l'arche là-haut? Non. C'est quoi là-haut? Si, il y a encore. Attendez, c'est quoi? Non, c'est juste une île qui est en face de moi en fait. L'arche, elle est là-haut. Ah oui, on la voit. Ok, dac. Bon, du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Comme j'ai dit, il était incroyable, c'était génial, c'était trop bien, c'était fantastique. Voilà, j'ai surkiffé. J'espère du coup que vous aussi, ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un commentaire, et on se retrouve pour la suite de l'aventure. Allez, salut tout le monde. Bye bye.